tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la collection Fast and Furious de chez Altaïa. Collection de miniatures automobiles au 1/43e. Et donc, vous allez retrouver dans cette collection bon nombre de véhicules que vous pouvez voir à travers la série de films, la licence Fast and Furious. Donc, je vous avais déjà fait une première vidéo en vous présentant les trois premiers modèles. Et là, donc on revient un petit peu là-dessus et je vais vous montrer, vous présenter les numéros 7 et 8 de cette collection. Donc, je vous remettrai tous les liens en description de la vidéo. Hein, si vous voulez vous abonner en route, c'est encore possible, hein, bien entendu. Hein. Tout en commençant la collection bien sûr du numéro 1, c'est encore possible. Donc vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors le numéro 7, il s'agit de la Ford Mustang Fastback de 1967. Donc on a le fascicule ici. Alors on va jeter un petit coup d'œil rapide comme habituellement. Voilà. Donc on a toujours beaucoup à lire, on a des images du film, on a des images du véhicule en question. Hein. Alors, comme ici, pas forcément représenté dans la livrée du film, hein, mais bon, on a une double page centrale, voyez, ici, avec la fiche technique du véhicule. Après, on a un petit reportage sur le constructeur Ford. Enfin, constructeur, la miniature dont fait l'objet de ce numéro. Et puis voilà, donc c'est un petit fascicule d'une petite vingtaine de pages. Vous connaissez maintenant, c'est assez complet. Et la miniature, la voici. Hop. Alors elle est toujours dans sa petite boîte vitrine. Hein, vous voyez. On va la regarder en enlevant justement cette boîte vitrine. Là voilà, cette petite Ford Fastback 1967, alors elle existe hein, en majorette, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais là au 1/43, ben voilà, il y a beaucoup plus de détails, et beaucoup plus jolie. Alors elle est verte, verte British, hein, avec des bandeaux blancs, toujours sur ce plan incliné, la façon de les présenter, c'est plutôt sympa ça. Donc vous voyez les détails avant, les feux, la calandre. Très, très chouette sur le côté, les jantes sont magnifiques. Voilà, il y a un seul rétro ici, les côtés conducteurs, l'arrière, petit feu, la plaque d'IMAT, le cheval Mustang. Hein, vous regardez sur le bouton du coffre. Hein. Voilà. Et donc, côté conducteur, on a le petit rétro, comme je vous disais. Très, très sympa. Voilà. Vraiment, ces années-là, 70, 60, fin des années 60, hein, elles ont un charme, ces voitures, qu'on retrouve, enfin, moi, personnellement, que je ne retrouve pas sur les véhicules d'aujourd'hui. Voilà pour la première, hein, donc, très, très sympa. Ensuite, donc, le numéro 8, c'est la Dodge Challenger SRT 2011. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que c'est une des miniatures, un des véhicules que je préfère, la Dodge Challenger. Alors ici, dans les films, elle est comme ceci. Et c'est comme ceci qu'elle est représentée en miniature. Alors là, voilà, toujours pareil. La double page, hop, avec une très belle illustration, une très belle photo. Et puis ensuite, et ben voilà, le petit reportage sur le constructeur Dodge. Et donc maintenant, on passe au plus intéressant pour nous, bien entendu. La superbe miniature, la superbe Dodge Challenger SRT. Alors, hop,
Et là, voilà. Alors là, elle est d'une couleur vert, on va dire, c'est vert pomme, voilà. Alors là, elle est un petit peu customisée, voilà. Donc elle est vert pomme et noire, noir mat. Elle a une espèce de pare-buffle hein, devant, vous voyez. Derrière, pareil, elle a un aileron. Les jantes noires, moi je trouve ça très chouette. À l'avant, voilà. Là, on a deux rétros, côté conducteur et passager. On a les prises d'air sur le capot. Et là, le toit ouvrant. Hein. Et ça laisse apparaître un petit peu plus facilement l'intérieur. Donc, on a le volant, le pommeau de vitesse, le tableau de bord. Les sièges avec les ceintures sécurité verte, hein, voyez. Et à l'arrière, on voit qu'il y a un arceau de sécurité. Je sais pas, voilà, hop. Plutôt chouette. Ah bah c'est ma préférée des deux. Parce que j'aime le modèle de la Dodge Challenger. Sinon, en couleur, en livrée, en présentation comme ça, je préfère la Ford Mustang. Donc voilà. Voilà, voilà les amis. Présentation des deux numéros 7 et 8. Là, j'espère que ça vous aura plu, hein, cette petite collection. Je sais pas si vous êtes nombreux à la faire. Moi, pour moi, je pense que ça fonctionne hein, parce que c'est vraiment une licence qui est très très suivie, les Fast and Furious. Voilà, bah écoutez, excellente journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.